Bonjour, c'est Stéphane. On se retrouve pour une vidéo. Mon avis film pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 13 octobre 2011. Il dure 1h30. Un film épouvante, horreur. Un film de Takeshi Nagada avec Ori Nakamura et Nokiri Araema. Je vais vous parler de Paranormal Activity, je crois le titre Night, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce film? Voilà, ça se passe à Tokyo. Une fille qui y rentre à Tokyo, qui retrouve son père et son frère, et assez brisé les deux jambes à cause d'un accident de voiture. Passer à qu'est-ce qu'elle a vu en États-Unis, elle rentre tout ça. Et son père il décide de partir pour le boulot et c'est son frère qui doit écouper de sa soeur avec une chaise roulante. Mais il va avoir des trucs bizarres pendant les nuits. Le démon est de retour, mes amis. Le démon est là pour faire souffrir cette jeune fille. Et son frère va essayer de filmer les événements, va essayer de, comme d'habitude, de trouver qu'est-ce que c'est cette chose. Après, il va parler avec des amis. Il a une fille qui est un petit peu médium, hein, elle parle avec un peu des esprits, tout ça. Elle sent la présence du démon et elle a eu peur à se barder avec. Après, là, il a trouvé. Et son frère et sa sœur vont chercher un gars pour retirer les sorts là. Ça arrive, hein, et ils ont réussi, mais le démon est toujours là. Après, son père revient de son boulot. Après, voilà, il arrive à voir des trucs. Après, je raconte pas un peu l'histoire. Hein. Pour moi, quand même, je trouve le film pas mal quand même. Je mettrais un 3 étoiles. Il est meilleur que l'origine largement. J'ai bien aimé la fin du film, hein, passionnant, avec des trucs bizarres. Le verre qui explose. J'ai bien aimé la scène là. La scène. Que le démon attrape les cheveux, c'est juste épique. Et aussi le démon contrôle la fille et qu'elle marche hein, pendant. J'ai bien aimé ça. L'ambiance, encore, j'aime bien aussi trouver le démon avec. En plus, il y a le frère qui filmait sa chambre et la fille, il filme sa chambre aussi. Ça, j'ai bien aimé. On était. Pour trouver les détails du démon, tout ça, j'ai bien aimé ça aussi. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé encore ce film. C'est pour ça que je mets 3 étoiles. Je sais, c'est pas un film très bien, tout ça, ou exceptionnel, mais c'est un bon film. Voilà, c'est un film à regarder. En plus, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire que la version américaine, hein, c'est notre histoire. Ça m'a vraiment plu. C'est un film de 2011. Je sais pas c'est quelle année qui se passe ce film-là. Je pense c'est en 2006, hein, parce qu'il avait dit en 2006 ou en 2010, parce que la caméra Sony là. Je pense ça c'est en 2010, hein, ça se passe l'histoire. Après, je sais plus parce que on voit pas quand on filme, on voit pas la date. Ça, c'est un peu gênant. Genre, on sait pas l'histoire se passe quand, quoi. Mais ça, après c'est pas trop grave, quoi. Mais voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore, n'hésitez pas à donner des commentaires encore de cette très belle saga de. Paranormal Activity, il m'en reste encore 3 films à regarder. Je sais pas si je vais regarder aujourd'hui ou demain, on verra.
Mais c'est une saga passionnante. Je m'accroche, je m'accroche. Hein. Je tiens mon fauteuil encore. Mais voilà, c'est tranquille, quoi. Et voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, pas seulement à regarder les films, le film avec le casque, c'est meilleur. J'ai regardé le premier avec sans casque. J'aurais dû regarder avec le casque. Parce qu'on entend mieux avec le casque quand même. On entend mieux les trucs, les bruits, tout ça. Et voilà, c'est mieux quand même. Mais après, à vous de voir, mais c'est pas trop mal. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter encore une fois. Vive le cinéma et bye!